Alors, nous allons voir les différents types de E. Le son E et E. Et une des difficultés du français consiste à distinguer ces trois sons. Je les répète. E et E. Et ici, j'ai utilisé les symboles de l'alphabet phonétique international. Alors, le son E se prononce avec la bouche légèrement ouverte et les lèvres arrondies. E. Répétez. E. On le retrouve dans les mots suivants. Je, me, te, se, le. Menu, semi, ceci, revue, redire, revenir, tenue, pelote. Les principaux graphèmes pour le son E sont la lettre E dans la plupart des cas, par exemple le, se, me, te, et AI dans certains cas comme faisable, faisant. Le son E se prononce avec la bouche presque fermée et les lèvres écartées. E. Répétez. E. On retrouve ce son dans les mots suivants et les principaux graphèmes sont E accent aigu, ER à la fin du mot et E. Alors répétons les mots suivants. E, D, les, C, T, mais, éviter, parler, manger, célébrité, secrétaire. Le son est se prononce avec la bouche semi-ouverte. Est. Répétez. Est. On retrouve ce son dans les mots suivants. Et les principaux graphèmes sont E accent grave, E accent circonflexe, AI, EI, ET à la fin du mot et E. Par exemple, mère, père, rêve, air, faire, mère, terre, merveille, cervelle, falaise, balai, beignet, coquet. Alors, récapitulons les trois sons. Nous avons le son E de je, E de les, E de les. Voilà.